Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo très courte je pense. Juste une petite réaction vis-à-vis de différentes vidéos que j'ai pu regarder sur YouTube, principalement des vidéos de youtubeurs anglais, enfin en tout cas anglo-saxons. Peut-être que vous avez déjà vu ce type de vidéos, ce sont des vidéos dans lesquelles on vous explique qu'en réalité, travailler ses gammes et pratiquer ses gammes, eh bien c'est quasiment inutile. Alors pour ma part, eh bien je veux dire que j'ai plutôt la position contraire. Alors j'en avais déjà un petit peu parlé quand j'ai fait la vidéo sur les gammes versus arpèges. Et donc là j'en ai vu d'autres un peu dans ce style. Alors à chaque fois je dois dire que oui, les arguments sont intéressants et sont pertinents, mais je trouve que ce type de vidéo part d'un postulat qui est de mon point de vue un peu biaisé et faux. Ah, et du coup bah, finalement par la suite la démonstration de mon point de vue ne tient pas véritablement la route. Et bien ce postulat quel est-il? Et bien ça va être le fait de dire que en travaillant ces gammes, et bien on va s'habituer à ne jouer que des fragments de gamme et à n'improviser que sur des fragments de gamme et à ne jouer que des notes consécutives. Pour eux, dire que travailler ses gammes, et bien ensuite vous n'allez faire que des bouts de gamme, donc vous n'allez jouer que des trucs comme ça. Etc. Donc du coup, c'est pas véritablement ma vision d'appréhender les gammes, parce que pour moi, travailler les gammes, eh bien, ça n'implique pas du tout de travailler juste des fragments et des notes consécutives. Pour moi, vraiment, ce qui est important dans le travail des gammes, c'est d'une part, eh bien, ça va être de visualiser votre manche et visualiser le parcours que vous allez pouvoir faire sur votre manche. Et les gammes, il faut vraiment voir ça comme juste des collections de notes, un réservoir de notes que vous allez utiliser pour bâtir et construire vos improvisations. Donc ce qu'il y a à faire dans votre apprentissage des gammes, c'est oui, d'une part, essayer d'apprendre les positions. Donc pour ça, apprendre les positions, eh bien, ça vous oblige, oui, à faire un travail de gamme de note à note. Ça va être aussi de pouvoir connecter ces différentes positions sur le manche. La finalité étant de vraiment plus trop penser en position segmentée, mais de pouvoir visualiser une gamme sur l'intégralité du manche. Et une fois que vous avez ça, eh bien vous pouvez vous permettre beaucoup plus de liberté et de travailler, de jouer sur ces gammes en utilisant eh bien, des intervalles, en utilisant des sauts de cordes, en visualisant aussi des arpèges qui sont contenus dans ces gammes, et ensuite d'en faire un véritable travail mélodique, mais qui pour moi se font toujours eh bien, sur ces gammes et sur la visualisation que j'ai de ces gammes sur le manche. Donc une fois que vous avez acquis ces gammes, bien, je vous encourage, un peu comme je l'ai fait au début de la vidéo, bien, d'essayer vraiment d'aller un petit peu dans tous les sens. Hein, d'aller volontairement, c'est un exercice, d'aller volontairement un petit peu dans tous les sens
même si c'est pas toujours très musical. Mais au moins, ça vous apprend eh bien, à naviguer sur votre manche et à naviguer suivant toutes les différentes positions de la gamme que vous avez utilisées. Pour moi, concrètement, eh bien, quand j'improvise, très souvent, eh bien, j'ai plutôt tendance à visualiser donc, la gamme, les différentes positions, et ensuite de faire des choix et de ne pas faire à chaque fois des fragments de gamme, puisque une fois que vous connaissez votre gamme et vos positions, eh bien, vous n'êtes pas contraint à uniquement dérouler vos positions de gamme, note à note. Je pense que ce type de conception de jeu sur le gamme est un petit peu influencé et biaisé, je pense, par bah, tout ce qui est, on va dire, la guitare shred, entre guillemets. Peut-être que ce style, justement, nous conditionne, nous enferme un petit peu dans cette conception spécifique de gamme, fragment de gamme, jouer très rapide, note à note. Voilà, donc par exemple, ce que j'ai joué au début, eh bien, je suis sur la gamme de Do majeur, hein, tout simplement. Et j'essaye de me balader à travers le manche, à travers les différentes positions de la gamme de Do majeur, finalement qui ne sont plus véritablement des positions, mais une position, c'est-à-dire qui part du Mi grave et qui va jusque au Mi aigu. Et j'essaye de faire de grands intervalles, des sauts de cordes. Rien ne m'empêche de faire des fragments de gamme, hein, d'enchaîner ces notes-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors évidemment, votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à commenter et me dire eh bien, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord et quelle est votre vision des choses. Voilà, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on est tous différents et puis on a tous chacun nos schémas de pensée. Donc peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire et c'est tant mieux. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager les vidéos. Allez sur le site internet moderneguitaronline.com, à vous abonner également à la page Instagram Moderne Guitare. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.